Le train numéro 6319, en provenance de réserve désaffectée de Black Mesa, va arriver en zone d'arrêt pour ascension. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Freeman, ça fait un moment que je vous attends. Un des chercheurs m'a transmis un message pour vous. Il faut que vous empruntiez l'ancien système ferroviaire pour aller jusqu'à une sorte de fusée. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit et le gars était tellement pressé de partir qu'il ne m'a pas dit grand-chose. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a une équipe lambda quelque part qui pourrait mettre un peu d'ordre dans tout ça, à condition que le satellite à l'intérieur de la fusée soit mis en orbite. Les militaires ont annulé le tir, alors quand vous trouverez la fusée, vous devrez aller dans la salle de contrôle pour déclencher vous-même la procédure de lancement. Ok. Bon, ben, si j'ai bien compris, je dois lancer un énorme suppositoire dans l'espace. Tu m'expliques l'intérêt ? Et comme toi, t'arrives pas à ouvrir ce putain de poignée de merde, je vais le faire à ta place. Ah, tu veux te suicider maintenant? Bon, bah, si tu veux, bah, je t'écrase avec le rail. Hein. Allez. Bon, c'est pas tout que ça. Comment ça marche, ce truc, déjà? Ah oui. Power on. Ah, ça, c'est fait. Est-ce qu'on a les gaz? C'est bon, l'électricité, c'est parfait. Plein gaz! Voilà! Comme ça, il est réduit en hachis parmentier. Et ça commence déjà à me faire chier avec ces putains de chewing-gum collés au plafond. Bon, d'autres problèmes qui s'ensuit, ne pas toucher l'eau. Sinon, bonjour que je me mets au courant. Eh ben dis donc, ça m'a l'air très calme ici. Effectivement, il y a du jus. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le doute, je fonce dans le tas. Effectivement, ça m'a l'air bien abandonné tout ça. Oh putain! Oh! Aïe, ça picote là-dedans! Allez, on fait le canardage sur le train de la SNCF. Oh merde! Putain, y'a une tourette! Putain, putain, putain! Et non, moi je vais tout droit. Je comprends pourquoi ils disent que c'est désaffecté, hein. Oula. Je reviens, c'est parti. Et merde. Ouh, c'est express tout ça. Et on chope le train. Ouh, voilà. Distribution gratuite de plomb! Quoi, vous en voulez encore? Allez! Headshot! Enfin, je suis pas trop sûr, mais... C'est bon, y a plus personne. Bon bah, je continue. Ça sent la fusillade là-dedans. Oh, chouette. Eh, hey, vas-y, vas-y. Eh, vas-y, wesh, laisse mon truc, là. Laisse-moi ça, là, ça va être trop marrant, ça. Ah, il m'a eu dans le cul. Dans le cul, l'armée, dans le cul. Voilà. L'alien, il est mort aussi. Et comment on ouvre ces putains de barrières de merde?
Oh putain, un interrupteur. Mais au courant ce connard. Mais ils sont peut-être tous morts. Continuons. Merde, le train, je crois qu'il s'est barré, ce con. Ah bah non, le voilà. Aïe, putain. Ils m'ont pris en embuscade. Ok, je vais les prendre aussi en embuscade. Oui, oui, je sais. Oui, je sais. Ah, je l'avais dans le huc, même s'il me reste 5 points de vie. Oh putain. Je vous dis de suite, c'est pas bon du tout. Un par un. Doucement. Oh bordel. J'ose pas du tout. Pas chance. Amène-le. Mais t'es malade, je vais pas amener un cadavre. Non mais oh. T'es où, enfoiré? Et merde. What the fuck? Crabe volant est même mort. Enfoiré. Oui, c'est ça, fait ton... Ça change rien, hein. T'es quand même mort, quoi qu'il arrive, hein. Énergie disponible, 15%. Bon, bah je vais faire la même méthode que je fais d'habitude, bah c'est harcèlement de soda. Hein. Bon bah ça c'est fait. Alors, faisons un point sur les munitions. Ouais. Et merde. Ouais. Ouais. Ça peut le faire. Oh putain. Ça, ça le fait pas du tout. Je vais tenter une prise de risque. Bah tu sais quoi? Dans le cul! Rends-toi Freeman. Jamais! Vous mourrez jamais vivant! Oh putain! Et merde! Ouais, petit bâtard! Putain, ça c'est un putain de suppositoire les gens! «
Si les États-Unis comptent enculer le monde avec ça, putain, ils ont bien réussi leur coup. Hein. C'est un putain de bordel. De l'énergie, je sens sentir l'énergie qui monte en moi. Ah, ça arrive pas jusqu'à la tête. Fais chier. À couvert. Sérieux en plus ce connard. Où toi ? Si je retrouve ce connard qui a eu l'idée de marquer Meurt Freeman en plaçant une mine laser juste en dessous, je vous jure que je lui dévisse la tête et je lui chie dans le cou comme c'est pas possible. Vous allez tous passer au trépas, c'est moi qui vous le dis. Parole d'un homme libre. Et où tu con... Et du coup, tu es là. Oh les fils de pute. Je sens comme une simple pressentiment de, vous savez, de prise d'embuscade. Embuscade. Même pas en fait. Tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Oh, c'est intéressant ça, dis donc. Ah, t'es là, petit bâtard. Espèce de petit bâtard. Non mais oh, je vais leur apprendre la vie, moi, vous allez voir. Ah putain, je me mets toujours au courant. Fais chier. Il est évident que dans ce genre de situation, ceci est un epic fail. En route pour l'aventure. Ça sent la prise d'assaut tout ça. Vite, sur la tourelle. J'ai morflé les gens. Mais maintenant, c'est vous qui allez morfler.
Sortez de là, bande de lâches. Que je vous foute une balle là où je... Tu te caches. Tiens, voilà. Vous allez apprendre ce que c'est de vous faire botter le cul par un homme tout seul. Vous êtes plusieurs et vous faites botter le cul par un homme tout seul. Oh, c'est magnifique tout ça. C'est tellement pathétique que j'en rigole moi-même. Je prends l'ascenseur. On ne sait jamais. Ah, les sales fils de bâtards, de fils de pute. Eh ben, ces sacoches vont être très utiles, finalement. Ouais. Et on appuie sur le petit bouton rouge, là. Allez, c'est parti. S'y attendait pas, ça va. Énergie disponible, 15%. Oula. Ok. Bon bah c'est parti. L'abri. Mais qu'est-ce qu'ils me font chier. Merde avec ces mines. Coucou, vous êtes caché sous le carton. Oh non, culé. Ah oui, j'ai vraiment besoin de morphine sévère là, j'ai trop bobo là. J'ai mal, ça pique. Je souffre. Aïe. C'est vrai que c'est pas très excitant de se ranger une grenade sur la tronche. Ok, bon, on va éviter de toucher ça. Encore lui. Pleine tête. Bah c'est la fin du voyage. Ça sent toujours le piège avec eux, faut toujours se poser des questions. Voilà. Oula. Hors de mon chemin. Toi aussi. Qu'est-ce que t'es pas discret, toi? De la vie, je sens monter la vie en moi. Non, ça change rien, en fait. Je veux juste que je pète la forme. Ok, c'est bon, ça fera l'affaire, ça. Ça sent le piège. Espèce d'enfoiré!
Aïe, putain, c'est... Faut que j'arrive à viser ce trou. Et merde. Oh yes! Ah ah, oui, je l'ai eu! Aïe, merde, je me prends toujours le courant, ça fait chier. Est-ce qu'il est où notre machin, hein? Hein, tu te caches, hein? Tu te caches, je suis pas fou. Oh, à propos. Fonction vitale menacée. Mais oui, je sais, bordel. C'est bien calme, là. Oula. Je vous ai vu, bande de bâtards, là-haut. Je crois qu'ils ont eu leur compte. Oh putain, c'est parti. Oh purée. Niaa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 
Je n'aurai qu'une seule chose à dire sur ça. Dieu protège l'Amérique. Je crois que c'est Dieu bénisse l'Amérique. Enfin bref, vous aurez compris. Bon, maintenant que ceci s'est envoyé dans l'espace, j'espère que ça sera pour une cause utile. Maintenant, que va-t-il s'avérer pour la suite? Oh putain, l'enfoiré! Oh, l'enfoiré de Snape! Ah putain, l'enculé! Je crois qu'il a eu son compte. Ça a l'air d'être un qui va super vite, dis donc. Ah putain, ça c'est un TGV, ça. Merde, merde. Qui était là ? Eh ben, j'ai échappé au pire, dis donc. Bon. Bon bah, on va. Putain, je devrais vraiment prévoir un masque à oxygène dans ces combis de merde. C'était quoi ça? Couchez la bête. Sage, tranquille. Dans quel merdier je me suis encore retrouvé? Tout doux, c'était pas pour toi, hein, t'inquiète pas. Hein. Oh, putain. Vous avez vu ça? Il paraît qu'on l'a trouvé au fond de l'océan. Je vais vous dire, si cette bestiole sait nager, c'est pas dans des eaux terriennes. Il y a un pistolet à tranquillisant dans la cage du requin. Mais je ne sais pas si ça fonctionnera sur cette chose. Essayez quand même. Attends, on se connaît à peine et tu veux que je m'occupe de cette bestiole? Non mais sérieux, vous avez fumé quoi dans ce labo? Par contre, le pistolet tranquillisant, ça m'intéresse. Bon. Amène-toi, cette bête. Oh putain, c'est quoi cette bestiole? Il passera mieux. Oh le fils de pute. Je jure que je vais lui faire bouffer ses dents. Attends une minute. C'est pratique ça? Je suis
enfoiré, je l'ai eu cet enculé, je t'ai eu. Blah, domination par Gordon Freeman. Je déteste ces chewing-gums collés au plafond. Oh non, ne me dis pas qu'il y en a d'autres. Et merde. Ça glisse et merde en plus. Oh putain, sympa la carte. Enfin bref, j'ai contourné ces deux requins de merde. Ouais c'est ça, t'as qu'à pleurer ta mère. Vous êtes Gordon Freeman, n'est-ce pas? Ouais. Grâce au marqueur de votre combinaison, nous avons pu suivre votre progression. Les militaires aussi, malheureusement. Le problème, c'est que sans votre combinaison, vous seriez probablement déjà mort. Bon, écoutez, le meilleur moyen d'atteindre le complexe Lambda, c'est de passer par les anciennes zones industrielles. Le système de sécurité y est un véritable gruyère. La preuve, j'en viens. Mais c'est parce que t'as pas déjà allumé le PC, de 1, et en plus, de 2, dire que c'est un véritable gruyère, c'est parce que tu sais pas te servir d'un ordinateur, Einstein. Ah là là. Putain, il fait froid dans ce truc. Oh non, pas de ça, s'il vous plaît. Putain, ça chatouille. Ah, les chatouilles. Ah, ah là là. Ah, les châtaignes de merde. Allez, on continue. Oh, ils sont cachés. Et je les ai fumés. Facilement. Toi aussi. Ah putain, l'autre en plus, il m'a pris par derrière. Quatre flèches, je sais pas si je vais tenir avec. Attention à ne pas... Ah ! Oh merde. T'es pas mort comme ça, c'est... Putain, merde, putain, je crains. Putain, c'est... What the fuck ? Putain, en plus ça court vite. Putain, ah putain. Femmes. Oh putain. Si maintenant ils envoient des femmes pour me tuer.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des meufs. Putain, ils envoient des meufs pour me tuer? Sérieusement? Avec un pistolet silencieux et des grenades? Putain. Mais ça ne ressemble pas aux soldats ordinaires. Ça doit être une autre section. Enfin bref. Je sais que tout le monde veut ma peau. Bref. Accès à la surface. Mais c'est intéressant ça, dis donc. Et merde. Bon allez, allons par là. Ah, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, ah, putain.